Ah, s'il y a des connaisseurs, si quelqu'un peut m'aider à résoudre mon problème. Donc, je me suis acheté un iPhone 14 Pro Max. Sauf que sur le côté, vous voyez, j'ai un petit truc pour mettre la SIM. Mais il n'y a pas le. Il n'y a pas la. Quand tu dois ouvrir avec ça, il y a un petit trou. Donc, c'est-à-dire là, j'ai le volume, OK. Et là, ici, il n'y a pas le petit trou pour ouvrir. Je ne sais même pas où mettre ma puce. J'ai longtemps hésité avec McDo, hein, mais je suis allée chez le boucher. Du coup, j'ai pris de la viande, gratin dauphinois, salade de coleslaw. Et ça, c'est quoi? C'est macédoine. Voilà. C'était McDo. Et du coup, j'ai dit, allez, j'essaie d'être raisonnable parce que cette semaine, à la montagne, ça va être fondue, raclette. Hello tout le monde, comment ça va aujourd'hui? Petite journée de dimanche au calme, détente. Du coup, bah moi, garde alternée, toujours avec PJ. Vu que j'avais gardé les enfants quand j'étais à Punta Cana 2 semaines, et bah du coup, équitabilité, là, il les a 2 semaines. Donc là, après la Laponie, direction le ski. C'est vrai que quand j'ai pas mes fils, j'aime pas être toute seule, la solitude, rester là, rien faire, me tourner les pouces, penser, réfléchir et tout. C'est vrai que quand j'ai pas mes enfants, si je peux, j'essaye de bouger. Là, je pars au ski. Par contre, après, je vais me calmer un petit peu parce que j'ai beaucoup bougé ces derniers temps. On va refaire un petit peu attention, même aux sous-sous et tout. Voilà, là, j'avais mis de côté pour mes voyages. Il faudrait peut-être que je me coiffe, j'ai des nœuds de partout. Donc là, je voulais vous parler parce que tout à l'heure, quand je suis allée à la boucherie, d'ailleurs, ça a l'air trop bon, la viande que j'ai prise. C'était la nouvelle boucherie près de chez moi. Donc, je vous montre, j'ai pris 2 paires. Donc, j'ai pris ces baskets que moi, j'ai mises ce matin. Et une autre paire de petites bottines que j'ai, elle, plutôt prise, j'ai allumé le poêle aussi, que j'ai prise pour le ski. Là, je vais vous les montrer porter juste après. Je vais vous mettre la référence aussi. Alors, celles-ci, elles sont trop canon. Chez Clarossa, je prends toujours une pointure au-dessus. Troisième des marques, la taille jusqu'à moins 50% sur le site Clarossa. Des baskets en ligne, donc pour femmes et pour enfants. Tu as aussi une application mobile. Pour être au courant des dernières nouveautés, c'est rapide. Je te mettrai l'appli si tu souhaites la télécharger. Je vous recommande. Je m'étais faite piquer à Punta Cana, mais dites-vous, j'ai encore des marques, des petits boutons très loin à partir. Bref, je vous mets la référence de ces baskets. Mais en tout cas, là, les grosses promos chez Clarossa. Je recommande de prendre une pointure au-dessus de sa taille habituelle. Franchement, celles-ci, elles sont trop belles. Parce que quand je suis comme ça, voilà. Je les ai mises là pour sortir ce matin. Elles sont super jolies. Ça va bien avec le petit survêtement que j'ai en plus. Alors, celles-ci, elles sont trop parfaites. C'est sûr, je vais les mettre dans ma valise de demain. Voilà, ma tante qui reste chez moi qui pars. Et du coup, regardez, portez. Je vais vous mettre l'autre, mais je voulais vous montrer l'intérieur. Celles-ci, je vais les emmener. Il faut que je vérifie si j'ai une doudoune beige pour aller avec toutes mes combis. Comme ça, là-bas, je mettrai ces chaussures. Je prendrai ça, des moon boots. Comme ça, au moins, j'aurai mes 2 paires de chaussures pour le ski. Donc là, sur celle-ci, je vous le mettrai à l'écrit. Moi, on est sur la référence JR80 en beige. Franchement, elles sont trop belles. En plus, là, j'ai pas mis de chaussettes, donc je sens bien le petit côté tout doux, tout pilou-pilou. Tu as également une catégorie pour les enfants chez Clarossa. Le code promo est valable sur la femme et ou sur l'enfant. Hop, j'ai bien fait mes lacets. Tac, tac, tac. La 3e semaine de solde, donc ça peut aller jusqu'à moins 50% sur le site. Et en plus, tu peux cumuler mes 45% avec mon code Julie45. Donc si tu avais envie de te prendre des petites nouveautés, c'est le moment d'en profiter, franchement. Elles sont trop jolies. Ah ouais, ça avec petite doudou noire, beige, c'est trop beau. J'adore la matière ici. Voilà, plus les baskets que j'ai pris. Ah, je suis restée dans l'éclair là. Parfait, parfait. Je vous mets aussi l'appli comme ça si vous souhaitez la télécharger. C'est possible. Persuadée que c'était de ma faute. Bon, c'est bien, c'est cool de rester à la maison. J'ai fait mes mails, j'ai fait mes papiers. Il me manque un peu, mais ça, je le ferai la semaine prochaine. J'ai aucune copine à moi sportive ou qui aime courir ou quoi. Parce que là, j'aimerais aller courir. Je serais trop bien partie avec une copine à moi. J'ai du mal à me motiver seule, mais je vais y aller quand même, vu que j'ai pas fait de sport depuis une dizaine de jours. Mais ouais, j'aurais bien fait un footing avec quelqu'un là pendant 1 heure. Du coup, je vais y aller seule. Je vais me motiver quand même. Allez, allez. Allez, let's go.
pour un jogging, ça caille un peu là, je vais vite me mettre en route. Je vais mettre mon application pour voir combien de temps est-ce que je réussis à courir. Ça fait 2 semaines que j'ai rien fichu, donc là... Mais des fois, quand je me dis que ça va être dur, je suis performante. J'aimerais bien courir 1 heure, faire 9 km. On va voir. Allez, faut-il. Les garçons, il manque, je suis un peu nostalgique aujourd'hui. Vu que je sais que je ne vais pas les avoir cette 2e semaine, que c'est Pierre-Jean qui les garde, ça fait long. Donc voilà, heureusement que demain, on part avec les copines, comme ça, ça m'évite de penser à eux, que je ne les ai pas, etc. Ça fait long quand même, ça fait long. J'hésite à aller les voir, mais bon, ça ne sert à rien, parce que Johan, s'il me voit, c'est pire qu'il me voit pour une journée et que je repars après. Bref, on va aller courir, ça va me vider la tête. Ah, une petite tête de folle, les doigts gelés. Mais mission accomplie, je suis trop contente. Pas mauvais pour une reprise, pas mauvais. Au ski, je vais prendre un professeur. Je vais essayer de bien me dépenser au ski. Si je motive, je ferai un peu de sport cette semaine. Allez, on va aller faire les abdos à la maison. Sortie de la douche, on va sécher les cheveux. Vous étiez hyper nombreuses à me demander en fait d'où est-ce que venait ce peignoir et ces pantoufles. Je les ai pris chez Victoria Secret. Après, une copine à moi y est allée, il n'y avait plus. Elle m'a dit, ça se trouve, c'était la collection Saint-Valentin. Mais en tout cas, c'est chez Victoria's Secret. C'est vrai que l'ensemble est plutôt joli. Enfin, je le trouve mignon. Il est grave doux et confortable. Allez, là, je vais me faire un petit Etche Wonder Nana. Comme ça, pendant que je me sèche les cheveux, ça va attendre de refroidir les S et moi. C'est une grande histoire. Je suis vraiment nostalgique aujourd'hui. Ça, c'est le baume à lèvres d'un de mes fils. Je garde tous leurs petits trucs à côté. C'est mignon. Donc là, surtout pour le goût et puis le côté drainant du stop cellulite de chez Wonder Nana. Moi, j'aime bien celui que vous pêche. Comme un petit peu à force, j'ai l'habitude à l'intérieur. Et comme ça, d'ici le dodo, je garderai peut-être une tasse pour demain matin. Parce que même froid, moi, je le bois. On va le laisser bien à ébullition. Comme ça, pendant que je me sèche les cheveux, ensuite, j'aurai mon petit thé. C'est des cures qui sont 100% naturelles chez Wonder Nana. On voit bien les fruits, les petits bouts de pêche. Ça sent bon dans la maison. Allez, on va le laisser sécher le temps que je me prépare. Depuis la création du monde, les humains trahissent tout ce qu'ils ont de plus cher. Allez, allez, let's go. Là, on va faire les courses. Je vais faire les courses pour mes fils quand ils vont venir prendre du ski, la nourriture, etc. Ensuite, là, mes copines qui me rejoignent à la maison. Et départ pour ski. Donc, on va au ski entre filles, comme chaque année. Je vais faire mes courses rapidement.